RDC, tenons-nous main dans la main, peuple congolais, pour un Congo nouveau. Y met l'image production, Isaac Mabakalani. Avenir ya Congo, on a ma boko ma biso, tobongi sa mitema, to salangele, to sepele l'ombona, restitution ya koka na biso Congo. To sepele l'ombona, restitution ya koka. Soto sangana to sepela to tombola bana ya Congo lokola be moto moko boya e boya e poto sepela boya to sangana boya to sepela moka Congo moka etika bakoko. Bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue dans Expression Plus. Quand vous aviez vu que j'ai été reçu ici dehors Côte Yad East Gate Hotel par monsieur Stedor Célestin Muloko, qui est le chargé des relations publiques de la majorité présidentielle des Durban. Et ici, où vous me voyez, je suis bien sûr en face de lui et je vais directement le recevoir dans cette émission qui est Expression Plus, que vous allez suivre dans toleka.net. Et je suis là en face de lui et je vais directement me tourner vers lui et nous allons avoir une petite concertation. Bonsoir monsieur Stedor Muloko. Célestin. Bonsoir Jacques, vous allez très bien? Je vais bien, merci monsieur Stedor. J'allais aussi vous remercier pour avoir accepté notre invitation je vais directement passer à... Je ne sais pas si peut-être vous aurez besoin de vous présenter davantage devant les téléspectateurs qui vous suivent en ces moments. Moi c'est Stedor Muloko, chargé des relations publiques de la majorité présidentielle de Durban. Ok, merci monsieur Stedor. Alors pouvez-vous nous dire d'abord avec ces téléspectateurs qui nous suivent à partir de chez eux et à partir de toleka.net et à partir de ces DVD que les gens vont suivre de chez eux à la maison. Monsieur Stedor Célestin Muloko, pouvez-vous nous dire les raisons de votre visite ici à Johannesburg, si je peux dire, pour ne pas dire l'Afrique du Sud? En fait, la raison, c'est dans le cadre privé, ici nous avions une réunion de membres des diasporas de la majorité présidentielle. Qui s'est déroulée à Durban? À Durban, oui, bien sûr. Ah. Alors, quel a été les sujets du jour de votre réunion? Les concertations nationales. Les sujets qui à la une des journaux dans notre pays? Bien sûr. Alors, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de la concertation nationale, ou bien si on peut dire au pluriel, donc des concertations nationales? En fait, pour nous, les concertations nationales sont une occasion de trouver une solution ou de renforcer la cohésion nationale. De renforcer la cohésion nationale. Donc, si c'est pour renforcer la cohésion nationale, c'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas de cohésion nationale? Bien sûr. Vous le savez très bien que non, depuis la publication des résultats, l'opposition avait contesté. L'opposition ayant contesté, avait-il raison ou tort par rapport à ce que vous avez vu sur le terrain? D'après elle, je ne sais pas. Ok. Alors, Kengo Wadondo, monsieur Kengo Wadondo, avait annoncé le gouvernement national après les concertations nationales. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien sûr, c'est une bonne chose, mais il faut savoir que nous, membres, nous avons parlé d'ailleurs de ça hier, c'était aussi un des grands points de notre réunion d'hier, c'est que non, nous, les membres de la majorité, avons observé un front de refus qui rejette toute idée de remaniement. Alors, ce front estime qu'une telle éventualité consacrerait une violation de la Constitution. Qui veut dire
que l'exécution nationale soit issue de la majorité au Parlement. Donc, en fait, si aujourd'hui nous avions un autre Premier ministre venu de l'opposition, c'est une violation de la Constitution. Puisque vous savez que vous êtes majoritaire dans le Parlement. Bien sûr. Ok. Donc, ça veut dire que quelque part, il n'y aura pas moyen qu'un Premier ministre puisse sortir de l'opposition, puisque ça sort, il sortira toujours de la majorité, puisque vous êtes majoritaire. Bien sûr, c'est ça. Ça, c'est énerver la Constitution. Matata Ponyo doit garder ses fonctions, mais il sera guidé par les programmes qui viendraient des concertations nationales. Donc, ça veut dire que quelque part, si je comprends bien, vous voulez utiliser les idées de tout le monde pour faire, pour diriger le pays dans, en ce sens-là. En fait, la cohésion nationale, ce n'est pas utiliser l'idée de tout le monde, mais plutôt de se mettre sur une même table pour parler. Disons, c'est ainsi que le président de la République, son Excellence Monsieur Joseph Kabila, avait initié cette idée, avait déjà après son élection de 2011, et d'appeler tout le monde sur une même table afin de parler. Qui avait appelé? Joseph Kabila. C'est-à-dire que quelque part, il s'accuse de quelque chose? Non, pourquoi? Non, puisque vous avez dit, après les élections de 2011, il a jugé bon appeler tout le monde, s'asseoir avec tout le monde sur la table afin de discuter, et c'est alors qu'est venu les concertations nationales. En fait, c'est par rapport aux résultats publié et contesté par l'opposition. On dit en français qui s'excuse s'accuse. Là, c'est d'après vous. Non, pas d'après moi, d'après l'univers. D'après l'univers, oui, mais en fait, les gens ne s'accusent à rien. Ils ne s'accusent de rien. Oui. Ok, pour vous nous dire après, à part la politique, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je suis coordonnateur d'une ASBEL qui regroupe tous les enfants des militaires et il y a comme objectif l'éducation, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui au Congo, quand on parle d'un fils ou d'une fille, d'un militaire, d'enfant d'un soldat, on voit le vol, on voit le voyeurisme, mais ce n'est pas ça. Enfin, j'ai voulu changer juste cette mentalité, dans le sens que non, chez les enfants de militaires, nous avons des députés aujourd'hui. Nous avons des docteurs aujourd'hui, voire même les juristes. Nous voulons juste confondre l'idée des autres, dans le sens que non, si les enfants des militaires, nous pouvons trouver des députés, nous pouvons trouver des docteurs, nous pouvons trouver des ingénieurs, pas tout ailleurs. Je vous donne l'exemple de Zakari Bawazo. C'est un fils d'un, mais c'est le fils d'un militaire. Aujourd'hui, il est député et il est parmi les députés de la majorité qui parle un peu, qui défend les causes des peuples. Vous voulez quelque part valoriser les enfants de militaires. Bien sûr. C'est ça même l'objectif, valoriser les enfants de militaires. Ça, c'est très bien pour vous. Alors, si on vous disait de dire à ces téléspectateurs qui nous suivent à partir de chez eux, un mot de la fin, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce que je peux dire, c'est que les concertations nationales ne changera rien. Après notre réunion d'hier à Durban, le membre de la majorité présidentielle de Durban, nous avons observé un front de refus qui rejette toute idée de remaniement et ces fronts estiment qu'une telle éventualité consacrerait une violation de la Constitution qui veut que l'exécution nationale soit issue de la majorité au Parlement. C'est-à-dire que non, nous sommes contre les gouvernements d'union nationale. C'est-à-dire que non, notre réunion, nous avons trouvé que Matata Ponyo doit garder ses fonctions, mais sous le guide d'un programme de gouvernement qui viendrait des constitutions nationales. Je vous remercie, Monsieur Stedor Célestin Moloko. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers amis téléspectateurs, d'avoir été attentifs à cette interview, à cette petite interview que j'ai pu avoir ici avec Monsieur Stedor Célestin Moloko, qui est membre des relations publiques de la majorité présidentielle de Durban et qui était venu directement de Katanga pour venir nous accorder cette interview ici à Johannesburg. Nous allons nous retrouver dans nos prochains. Seigneur Jésus, pour la première fois, je t'apporte le prémisse de l'amour que tu as déversé dans ma vie. Je t'en prie, Seigneur, respire l'odeur de mon agréable parfum. Respire, Seigneur.
ton Dieu, mon Jésus, tu m'entraînes dans ta demeure d'amour. Quand je vois tes promesses se tenant notre alliance, que tu as introduit sur mon doigt pour me dire moi et toi, pour le meilleur et pour le pire. Ton odeur me rend fou dans ton duo, mon Jésus, tu m'entraînes dans ta demeure.